Ça, c'est arrivé à un passage à niveau de la route 117. Un employé d'une compagnie de transport médical a bien fait son arrêt obligatoire au passage, mais il y a un automobiliste qui le suivait qui l'a heurté. On recule de 6 mois, exactement au même endroit. Un autre véhicule de la compagnie de transport médical a lui aussi été embouti au moment où il s'arrêtait par une camionnette. Que le train soit là ou non, que les avertisseurs sonores ou visuels soient en fonction ou non, il y a des véhicules qui sont obligés de s'immobiliser au passage à niveau pour s'assurer de l'absence de danger. C'est le cas de la compagnie de transport médical, mais aussi les autobus scolaires et de passagers, les minibus et les camions transportant des matières dangereuses en bonne quantité. Donc, pour éviter d'entrer en collision avec ces véhicules-là, gardez vos distances, ralentissez, évitez les distractions et aussi à l'approche d'un passage à niveau, anticipez, prévoyez qu'il pourrait y avoir un ralentissement ou un arrêt de la circulation.